Je vais vous présenter deux étirements aujourd'hui. Le psoas iliaque, qui est un muscle fléchisseur de hanche, et le pyramidal, qui est un muscle rotateur externe de hanche. Donc le psoas iliaque, il part du bassin et vient jusqu'au niveau du grand trochanter, au niveau de la hanche. Donc pour l'étirer, vous prenez la position chevalier servant et vous descendez tout doucement comme ça. Ça vient mettre en tension ici. Vous faites une rétroversion du bassin pour bien venir l'étirer. Vous maintenez la posture 45 secondes à 1 minute. Là, j'ai fait droit et vous pouvez faire le gauche, exactement pareil. Pour le muscle pyramidal qui se trouve dans la fesse, vous mettez contre un mur, vous venez en appui comme ça et vous mettez bien votre jambe comme ça. Là, vous venez appuyer pour venir étirer. Vous devez sentir un étirement dans la fesse à gauche. Donc là, j'étire le pyramidal à gauche. Je respire bien pendant 45 secondes et jusqu'à 1 minute. Et après, vice versa, vous faites hop, le pyramidal à droite.